bassiste. Est-ce que le son est bon? On va déjà commencer par ça. Du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous êtes là? Hello Michael, bienvenue. Le son est bon du coup? Super. Bah écoutez, bienvenue à vous. Je vois que vous êtes 26 pour le moment, n'hésitez pas à faire un petit coucou, c'est le premier live de l'année, donc merci à vous d'être présents. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année, qu'elle soit pleine de musique, pleine de progrès, que vous puissiez vraiment accomplir tout ce que vous avez envie sur l'instrument. Et il y a du boulot, hein, vous le savez, l'apprentissage de la musique, c'est quelque chose de sans fin. Et c'est quand même pour ça aussi qu'on en fait, parce que c'est un vrai plaisir, et que serait la vie sans la musique, hein, n'est-ce pas ? Alors, du coup, bah écoutez, bienvenue, ouais, n'hésitez pas à laisser un petit message, faites un petit coucou, Félix, qui dit « Muy buena técnica, gracias ». Vous êtes d'où, du coup, n'hésitez pas à me dire d'où vous regardez ce live, ça fera plaisir. Alors, du coup, comment s'est passé ce début d'année pour vous? Est-ce que vous avez déjà commencé à bien bosser? Vous vous êtes fait un planning? Est-ce que vous avez été studieux après ces vacances, du coup? Alors, le thème de ce soir, c'est la basse funk et notamment à travers ce nouveau livre qui est sorti donc aux éditions Play Music, c'est le 75e, donc c'est Songbook Bass Funky. Et ce soir, on va donc travailler un morceau en entier tiré de ce nouveau livre. Alors, je vous le présente, hein, comme vous le savez, dans toutes les méthodes, vous trouverez les partitions en solfège et tablature. Là, c'est un songbook, donc ce qui veut dire que dans cette série songbook, il existe aussi le songbook débutant, enfin songbook basse facile, volume 1 et 2. Ça, c'est spécialement dédié au funk. Il n'y a pas de partie pédagogique, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'introduction où je présente les techniques, etc. On va vraiment à l'essentiel, c'est que des morceaux. Et aussi, ce qui est très bien, bah, vous pourrez le voir, c'est qu'il y a les playbacks, il y a les audios avec, il y a les vidéos, il y a playback ralenti, vitesse rapide et pareil pour les vidéos. Et donc, il y en a au total pas mal. Il y en a E qui nous dit donc qu'il est de Paris. Et du coup, Madame Lagrange, bonne année à toi également. Clermont-Lérault pour Lucien. Alors, au total, il y en a combien? Eh bien, il y en a 25. Voilà, 25. Solfège, tablature. Je les ai classés, vous voyez, au sein de chaque morceau par section, du coup. Par exemple, ici, vous voyez, la partie A, bah, ça va correspondre au couplet et la partie B au refrain. Alors, il y a juste Madame Lagrange qui dit que monte le son micro, la voix, elle est très, très bas. Alors, est-ce que... Oula, est-ce que comme ça, c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, dites-moi si c'est mieux comme ça. Voilà, je joue en même temps, comme ça, vous me dites si l'équilibre est... La voix un peu basse, effectivement. Et là, c'est mieux ou pas? Ah bah parfait, voilà, j'étais sur le mauvais bouton du coup. Alors Stéphane qui est de Chambéry, ou bah du coup, bah, nous aussi ça caille hein, par chez nous, je pense que chez vous aussi. Alors, ah parfait, donc Florent qui dit aussi beaucoup mieux, bon bah c'est nickel comme ça, impeccable. On peut vraiment commencer. Donc en fait ce bouquin là, il y a des grooves dedans de tous les niveaux, je vais vous montrer le sommaire en fait. Hop, on va déjà poser la basse. Je me suis mis sur un autre siège, comme ça je suis un peu plus bas et j'ai pas trop à bouger, je suis pas embêté avec les accoudoirs. Donc c'est que des morceaux inspirés de tous les grands tubes. Écoutez, je vous montre. Hop. Voilà, ici.
Bon, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bonsoir Emmanuel, tu dis que tu suis le live pour la première fois. Bah, bienvenue, il y en a, c'est le septième. Donc tu pourras voir, tous les autres sont disponibles en replay. Tu vas sur mon site bassebruno.com et il y a une rubrique directement consacrée au live YouTube. Alors, du coup, il y a du James Brown, il y en a plein, hein, j'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a au moins une bonne dizaine. Il y a du Aretha Franklin, il y a du Funkadelic, Bill Withers, Larry Graham, Maceo Parker, Parliament, Maceo Parker, j'ai déjà dit, Betty White, Betty Lavette, Commodores, Bootsy Collins, Funkadelic, je crois qu'il y en a déjà, ouais, Wild Cherry et Prince. Donc, vous verrez en plus, il y a les playbacks, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les batteries qui sont excellentes, les guitares aussi, les claviers quand il y en a, donc... Le morceau que je vous propose d'étudier ce soir, c'est le numéro 4, donc, qui est sur deux pages. La partie A qui correspond au couplet, couplet-refrain, et la partie B. Alors, le morceau numéro 4, c'est donc dans le style de Soul Power de James Brown. Alors, du coup, je vais peut-être vous le jouer une fois pour commencer, comme ça vous allez l'entendre, et puis après je vais le décortiquer. J'espère que vous avez la basse avec vous, et puis... On va le bosser ensemble, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut pour le jouer correctement. Alors, hop, c'est parti. Êtes-vous prêt? Le playback, il est où? Il est là. Donc ça, c'est le playback de la méthode, hein, tel que vous l'entendez, la version rapide. Sur la fin, j'étais pas prêt, j'étais déconcentré. Hop, je vous le referai bien après. Est-ce que c'était tout bon au niveau de l'équilibre entre la basse et le playback du coup? Voilà, la fin c'est. Et reprise après du début. Alors, du coup, toute la partie A, le groove qui se répète en fait en boucle, hein, ça c'est typique de James Brown quand on a en fait un groove en général qui tourne sur deux mesures et qui après tourne, tourne, tourne en boucle. C'est vraiment ça un des classiques du funk en fait, c'est la répétition et encore et toujours, répéter, toujours répéter. Michael qui dit que le playback un peu plus fort, donc le playback était trop lent du coup, hein, trop faible, c'est ça? Alors attends, hop, je peux remonter encore un tout petit peu, voilà, là je l'ai monté. J'espère que ce sera mieux. Donc toute la partie A, comme je vous le disais, c'est ce groove en fait qui tourne là. D'ailleurs, les deux premières lignes, parce que là j'ai la partie un peu loin, j'avais pas vu, j'ai joué ré alors que c'est do ré en fait. Je l'ai rectifié après. C'est voilà. Donc ça c'est une phrase et en fait il est en ré mineur 7. Alors petite question déjà, ré mineur 7. C'est un accord qui se compose de quatre notes. Lesquelles? Alors écrivez-moi vos propositions dans le chat. Donc on est en ré mineur 7 pendant deux mesures pour le riff. Alors, du coup, il y a du Brésil aussi. Oh ben, je ne sais pas parler brésilien, donc bonsoir. Bonsoir Hervé, soyez les bienvenus si vous venez de vous connecter. Donc là, on est sur le funk numéro 4. Voilà, solfège, tablature, on est sur un morceau de James Brown. Et on est en ré mineur 7. Alors, personne pour me dire de quoi se compose un accord ré mineur 7. On a un ré comme fondamental.
Ensuite, on va avoir. Alors, il y a Michael qui dit Ré, Fa, La, Do. Ben, très bien, du coup, c'est effectivement ça. Pour un Ré mineur 7, on a le Ré fondamental, on a le Fa tierce mineure, on a le La, la quinte, et on a le Do, la septième mineure. Ré, Fa, La, Do. Aussi, d'ailleurs, on le joue en accord dans les aigus. Voilà. Ça fera, là, par exemple, cette forme-là que je viens de vous jouer. Du coup, ça fait Ré fondamental. Je prends le Fa ici en 15, tierce mineure, et je prends le Do ici, la septième mineure, en case 17. Ré, Fa, Do. Ça, ce sera pour l'accord. Alors, Rudy qui dit Fa dièse, La, Do, Mi. Non, non, effectivement, la bonne réponse, c'était donc le Ré. La tierce mineure, on a toujours un ton et demi d'écart à partir de la fondamentale. Donc, Ré plus un ton et demi, ça fait Fa. Ensuite, pour aller de la tierce mineure à la quinte, j'ai deux tons d'écart, donc Fa, La. Et enfin, pour la septième mineure, un moyen tout simple, je prends ma fondamentale Ré et je fais moins un ton, donc moins deux cases à gauche, et ça me donne un Do. L'apprentissage des notes sur le manche est toujours très important, évidemment. Je pense que maintenant vous le savez si vous regardez plusieurs lives, hein, du coup. Alors, le groove, on va démarrer par la septième mineure Do, et ensuite la fondamentale Ré. Donc on va faire Do, Ré. Je vous mets la partition à l'écran. Alors attendez, je reviens sur la zone. Hop, je vous affiche la partition de la page 1. Voilà. Alors, du coup, on va démarrer par la septième mineure. Parce que du coup, on n'est pas forcément obligé de démarrer toujours par la fondamentale. Il aurait pu faire Ré, Ré. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, les deux premières lignes quand je les ai jouées. J'ai fait Ré, Ré, comme ça, c'était ce que j'entendais en fait naturellement. Et puis, hop, voilà, en fait, on est sur Do, Ré. Donc, on démarre par la septième mineure. Et c'est très funky. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit playback. Ça, c'est pas celui de la méthode, c'est une petite batterie que j'ai faite. Donc, prenez votre basse. Et on va juste jouer les premiers temps. Hop, hop, hop. Je prends la bonne batterie. Tac. Alors, donc c'est plutôt ici. Voilà, je fais ma petite manipulation. J'avais oublié de la mettre dans le bon dossier. Voilà. Donc là, normalement, c'est tout bon. Je remets le playback funk. Je fais que les deux premiers temps. Peut-être un peu moins fort. Voilà. Vous me dites si l'équilibre il est bon, hein, entre la batterie. Comme ça déjà, oui, c'est très funky. Bonsoir David, sois le bienvenu. Et déjà ça. Si on imagine qu'il y a une guitare qui tourne dessus. Bah d'ailleurs, regardez alors ce que je vais faire. Je vais mettre le playback d'origine. Voyez, rien que ça. Et effectivement, faire rêver, ça aurait aussi marché, hein. Donc que la fondamentale. En staccato, note courte. Vous voyez comme le Do, il ajoute quelque chose en plus. Hein. Voilà, après ça, c'est le pont. Ensuite, sur le temps 2, on va avoir 4 doubles croches. Donc, on va avoir le Fa, qui est ma tierce mineure. Ici, je la prends en 3 cordes de Ré. Ensuite, je vais jouer le La vide. C'est ma quinte, suivi du Do, septième mineur, et je termine par la fondamentale Ré. Donc en fait, là, sur ces deux premiers temps, je suis exclusivement sur les notes de l'arpège. Je fais Do, Ré, ensuite Fa, La, Do, Ré. Je vous remets le playback et hop, les deux premiers temps, ça fait ça. Faites bien staccato, hein. Vous voyez les deux premières croches. Si je les fais longues, ça ferait ça.
du tout pareil. Hein. Et maintenant, staccato. Bon, là, j'ai... Hop. Trop vite. C'était au pont. Donc, staccato, faites-le bien comme ça. Voyez, quand je fais le Do, Ré, je garde bien le 1 pour le Do, le 4 pour le Ré, et je fais des notes piquées. Voyez, si vous regardez la main gauche bouge à peine. Là, je joue le Do, et tout de suite après, le doigt se relâche. Donc, vous pouvez vous entraîner à juste faire une note, par exemple. Un Do, très court, aussi court que possible. Voilà. Ensuite, le Do, pareil. Voyez, le doigt 4, ici. Là, je fais que des staccato. Dès que j'ai joué le Ré, le doigt relâche tout de suite. Par contre, quand il se relâche, faites attention, je ne fais pas. Sinon, ce n'est pas propre. Hein. C'est vraiment, je reste en contact avec les cordes et je fais un micro-appui pour faire ma note et je relâche tout de suite la tension de l'appui. Alors, est-ce que vous avez la basse avec vous? Est-ce que vous avez déjà essayé ces deux premiers temps? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez des remarques? À la vôtre, hein. C'est toujours le petit habituel dans la tasse. Prof de basse, la fameuse. Vous pouvez aussi remarquer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une des clés quand même du funk, et notamment du jeu de chez James Brown aussi, c'est la répétition, encore et toujours. Et c'est ce qui fait vraiment rentrer, on va dire, un petit peu en transe, vous voyez, dans ce style de musique, où vous avez une partie qui va tourner en boucle pendant des fois plusieurs minutes. Et en fait, c'est vraiment difficile, parce qu'on pourrait s'imaginer que, là, dans un morceau comme ça, le bassiste, on pourrait faire des choses très très différentes, toutes les deux mesures en fait, ça marcherait aussi, mais c'est pas pareil, c'est une vraie discipline que de rester bien structuré, de pas bouger. Donc là, notamment, bosser cette partie A pour vous, ce sera vraiment très 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 profitable. Alors, vous voyez aussi que laisser du vide, c'est important. Là, évidemment, dans la partition qu'on bosse ce soir, il n'y en a pas trop, mais je vous ai joué tout à l'heure que les deux premiers temps et vous voyez que ça marche très très bien. Sur le troisième temps, on aura donc un demi-soupir pointé. Le demi-soupir pointé, il vaut combien d'après vous? J'attends vos réponses dans le chat. À vos crayons, à vos petits doigts. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez ce morceau déjà? Donc c'est Soul Power de James Brown. Alors, David qui dit pour enchaîner le Fa et le La, on peut profiter de la remontée de l'index. Hop. Oui, absolument, au niveau de la main droite. Là, je fais le Fa, par exemple, avec l'index. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a la tasse. Hop. Voilà. Là, je fais le Fa avec l'index. Et hop, l'index, ici, va également faire le La. Alors, Baudet qui nous dit 3 temps. Donc, attention, là, le demi-soupir pointé ne fait pas 3 temps. Un demi-temps pour Michael non plus. Attention, on est sur un demi-soupir pointé. Vous voyez qu'il y a un point juste à côté. Mais on avance. Autre réponse. Allez, j'attends une dernière réponse et puis après je vous donne la réponse. D'ailleurs, quand vous faites, alors, A pointé, un temps et demi, ou t'es sûr? Trois quarts de temps, exactement, absolument, trois quarts de temps, trois doubles croches, en fait. Donc, ce qui veut dire que sur le temps 3, on a un demi-soupir pointé, trois quarts de temps, et on va avoir le Ré fondamental sur la quatrième double croche. Ça, c'est un exercice toujours difficile, et c'est pour ça qu'en fait, le funk, c'est une musique qui n'est pas facile en général d'ailleurs, parce qu'il y a ces répétitions, il faut rester très concentré et surtout, c'est le rythme qui fait tout. Alors évidemment, hein, je pourrais dire ça de tous les styles de musique, parce que si vous ne jouez pas en rythme, que vous fassiez du jazz, du blues, du funk, du rock ou ce que vous voulez, si on n'est pas en rythme, ça ne marche pas. Mais en funk, c'est vraiment la précision de... Voilà, trois doubles croches, exactement, Michael. Donc c'est la précision de toutes ces doubles croches qui font toute la différence et aussi le respect des notes courtes et longues. C'est ce que je vous jouais tout à l'heure. Quand on fait l'intro du riff avec les deux croches, si on les joue longues, là,
Là, j'ai joué les croches longues. Ça sonne aussi, c'est pas un problème, c'est juste différent. Par contre, les mets staccato, ça donne une petite impulsion supplémentaire et un côté super dansant, en fait. Donc, là, on revient au temps 3. Il faut travailler ce ré sur la quatrième double croche. Ça, c'est un exercice qui n'est jamais facile. Donc, ce qu'on va faire, je vous mets une batterie très lente. Il faut toujours commencer comme ça quand on a un travail rythmique à faire. Je mets une batterie à 60. 3. Et je vais compter les 4 doubles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et je vais jouer que le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si c'est trop rapide, c'est pas grave, on descend à 50. Et d'abord, avant de jouer, je compte, hein, toujours pour bien me mettre le débit de double croche dans la tête. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après, je compte dans ma tête. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le cœur de l'exercice. C'est vraiment le cœur aussi de là où il faudra mettre toute votre attention. Parce que c'est difficile. Au début, les deux premiers temps, ça va, deux croches et quatre doubles croches, ça s'enchaîne. Par contre, c'est toujours difficile de jouer les quatrièmes doubles croches. Donc, si vous voulez bosser attentivement, ça vous servira pour absolument tout. Parce que dans tous les styles de musique, à un moment, vous rencontrerez forcément une petite quatrième double croche à jouer. Donc, au début, il faut compter, il faut passer par là. Donc, vous mettez un tempo très lent, 50. J'aurais même pu descendre encore à 45, voire 40. Bon, là, je ne m'étais pas créé de playback aussi lent, j'ai fait que le minimum à 50, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'en fait, on est souvent tenté à jouer un peu trop vite et du coup, vous vous surchargez. Alors que pour bien travailler, notamment la double croche 2 qui est difficile et la 4 également, et 2-4 aussi, il faut vraiment bien l'intégrer lentement. Vous l'intégrerez mal si vous le faites à 80 ou à 100. Parce qu'en fait, les doubles croches, c'est beaucoup plus difficile à jouer lentement que rapidement. Salut Fred, bienvenue et salut Georges également. Soyez les bienvenus sur ce live consacré au funk. Alors, du coup, attendez, hop, j'ai une petite appli, j'ai un truc qui s'est mis, voilà, non, ignoré, voilà, ok. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les doubles croches, en fait, c'est toujours difficile à pratiquer quand on les fait trop vite, parce que c'est trompeur. Vous allez le faire, par exemple, à 80 ou peut-être même à 100, je ne sais pas, ou 90, et vous allez vous dire, waouh, c'est super, parce qu'en fait, comme c'est rapide, finalement, chaque double croche, elle passe très très vite. Et donc, on peut avoir l'impression qu'on est bien positionné. Et du coup, après, tout d'un coup, vous avez un morceau plus lent et vous allez vous rendre compte, par exemple, en vous enregistrant, que vous êtes à côté et que ça manque de précision. Donc, méfiez-vous toujours des tempos rapides parce qu'effectivement, comme ça passe plus vite, la marge d'erreur, vous voyez, elle est un petit peu réduite. Donc, faites-le toujours très lentement. Je trouve vraiment que 50, 60 maximum pour des doubles croches, c'est déjà très bien parce qu'il ne faut pas vous surcharger la tête. Je remets le playback. Et n'oubliez pas que le travail de l'écoute est absolument primordial hein, pour le rythme et les doubles croches en particulier. Donc ne vous sautez pas comme ça sur l'instrument, soyez pas pressé, mais écoutez déjà et comptez. Vous voyez, là par exemple ce que je vais faire, je vais chanter que le 4 et tous les temps, par exemple, pour m'aider, je vais les matérialiser en tapant, comme si je faisais de la batterie, vous voyez, avec le doigt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je vais chanter que le 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et si vous êtes perdu, c'est pas grave. Là, je suis perdu, on va dire, je ne sais plus où j'en suis, je réécoute. Je réécoute d'abord la batterie. Les temps. 1, 2, 3, 4. Je compte mes doubles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et
s'il faut, je m'aide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et je compte. 4, 4, 4, 4. Et après, je le joue. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Une fois que vous l'avez bien, là on était à 50 et je vous conseille d'augmenter vraiment lentement. Non pas de 10 en 10 parce que passer de 50 à 60 c'est un peu violent quand même d'un coup. Donc vous pouvez prendre votre métronome et vous passer de 2 en 2 par exemple. Vous voyez, ce sera un peu plus doux. Alors ensuite, le quatrième temps, on va avoir Fa, tierce mineure, le La, corde à vide qui est ma quinte, Do, septième mineure. Et là j'ai une note de passage, c'est un chromatisme, c'est le Do dièse. Et le Do dièse, il va faire le lien entre le Do, la septième mineure, et le Ré après ma fondamentale. Donc vous voyez, Do en case 3, Ré en 5, j'ai la place pour un Do dièse et ça va sonner super bien. Je vais vous jouer ce petit bout, ça fait ça. Et vous voyez, je reviens au Ré. Je vais vous jouer cette partie-là avec le playback cette fois-ci. Donc, au tempo maxi. Et après, la suite du groove. Une fois donc qu'on est arrivé sur le Do, Do dièse, Ré, donc hein, le Ré, c'est le début de ma mesure 2, je vais jouer ce Ré un paquet de fois. Sur le temps 1, en croche, toujours staccato. Sur le temps 2, je vais de nouveau avoir une croche staccato et après deux doubles croches qui vont être sur les troisième double croche et quatrième double croche. Donc ça va faire. Je vous le fais avec une batterie de 60. Je fais que les deux premiers temps de la mesure 2. 2, 3, 4. Staccato et non pas, vous voyez, c'est ces petites subtilités, ça fait toute la différence. Donc staccato, piqué, depuis le début, est-ce que ça va pour le moment jusqu'ici? Dites-moi. J'espère que vous êtes en train d'essayer. Hein. Là, au niveau de la basse, tout simple, j'ai pris une PB. Là, au niveau de la tonalité, je l'ai ouverte un tout petit peu. Il y a des filets ronds. Donc, celle-ci m'a été prêtée par mon ami Anthony. Dédicace à lui. Alors, une PB, ça marche toujours. Et du coup, pour le choix de ce style, je me suis dit, tiens, ce sera vraiment la basse parfaite. Donc voilà, si ça peut vous aider comme ça dans votre cheminement en quête de son ou de basse à choisir en fonction des styles que vous jouez. La P basse, en général, elle se prête quand même à tous les styles. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Même si souvent, on a tendance à se dire que, par exemple, la jazz basse, comme elle a deux micros, et donc en jouant avec les boutons de volume, on peut avoir trois sons différents, le manche, le chevalet, les deux. Là, finalement, on n'a que ça. On n'a que le bouton de tonalité pour varier. Et surtout, ses doigts, ça fait toute la différence. Si je le joue avec la tonalité fermée à 0. La tonalité à la moitié, à peu près. Hein, voilà. Et enfin, à fond. Et surtout, il faut vous méfier parce que là, en la jouant toute seule, là, j'ai mis les aigus à fond. Par exemple, on pourrait se dire, ouais, ça agresse un peu les oreilles. Je vais le faire avec le playback. À 0. Merde, il faut du volume. Je remets. Hop.
David qui dit riff très entêtant. Bah, exactement, c'est vraiment ça. C'est, ça rentre dans la tête et ça tourne en boucle. C'est vraiment génial comme effet. Maintenant, la tonalité à la moitié. Et à fond, ça va peut-être revenir. Alors, lequel des trois vous préférez ? Vous préférez avec la tonalité à zéro, au milieu ou à fond ? Vous voyez que l'effet n'est pas le même. Il y a aussi une chose importante, c'est votre main droite. Oh, hello Marc du Texas, hello. Alors, ça fait plaisir d'être vu hein, par différentes parties du monde, c'est toujours sympa. Alors, my accent is very bad. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que vous préférez des trois sons hein ? Parce que c'est bien d'avoir une basse, notamment une PB, mais c'est aussi important de savoir bien utiliser bah, l'unique bouton de tonalité, et puis après aussi vos doigts. Regardez, si je joue timidement, par exemple, là, je vais remettre au milieu, effectivement. C'est ce que je préfère aussi, même peut-être, pourquoi pas, légèrement ouvert, comme j'avais tout à l'heure, c'était pas mal. Je vais vous le jouer timidement et un peu uniforme. Et vous voyez même le placement, là, je me mets bien au-dessus du micro et je vais avoir une attaque plus franche. Et le dernier ré aigu, je voulais pas décomposer encore, mais c'est le ré en 7, c'est l'octave, un peu plus fort que les autres. Il arrive toujours trop vite ce pont. Donc vous mettez une petite impulsion supplémentaire, il faut que ça claque un peu. Bon, là j'ai mis une réverb, mais... Et si je le fais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette différence entre les deux ? Donc, voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Là, il n'y a pas de compresseur. La basse, elle est branchée absolument directe. Le seul effet que j'ai mis, là, c'était pour le fun. J'aime bien mettre la réverb. C'est une carte son Yamaha, ce qu'il y a de plus basique. Hein. Rien de, c'est pas du tout quelque chose de très extraordinaire. C'est la Yamaha AG06. Donc, pas de compresseur, rien. La basse est vraiment branchée en direct. Et c'est aussi pour vous montrer que tout est dans les doigts. J'avais fait une vidéo il y a longtemps qui s'appelle « Le son est dans les doigts » et c'est vraiment vrai. Alors, évidemment, les basses font quand même une grande différence. Sinon, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi j'ai choisi celle-ci, enfin la PB en tout cas, c'est parce que je trouvais que ce son-là était vraiment bien approprié pour ce style de musique. Après, j'aurais pris la Spector, une Ibanez, une 5 cordes, une 6 cordes, une Music Man, le son n'aurait pas été du tout le même. Donc, rien que déjà sans compresseur, et vous voyez, je vais même enlever la réverb. Là, vous avez le son absolument brut, sans rien. C'est important d'avoir une main droite efficace. Donc, de savoir où la placer, et je trouve pour ça, il n'y a pas mieux que la PB, parce que c'est la basse la plus simple qui est. Et donc, c'est à vous d'apprendre pour faire varier votre son, à donc utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bouton de tonalité, et aussi à placer votre main droite à différents endroits, parce que ce n'est pas du tout pareil. Si je joue ici avec une attaque plus douce, voyez, et là, et en plus, cette attaque finale, si vous entendez, je fais vraiment claquer la corde. Hein. Je ne sais pas si vous essayez chez vous, n'hésitez pas à me dire... Qu'est-ce que ça donne en fait ? Il faut attaquer, il faut que cette note claque, je trouve qu'elle est percutante, elle apporte quelque chose en plus. Donc, juste pour revenir rapidement à la deuxième mesure, je vous disais tout à l'heure qu'on travaillait
Donc les deux premiers temps, c'était. Sur le troisième temps, cette fois-ci, on va jouer que les doubles croches 3 et 4. Je reviens à 5, à 60 et je vous joue que les trois premiers temps de la deuxième mesure. On n'est que sur le ré. 2, 3, 4 et... Et enfin, sur le E du 4, on va rajouter donc ce fameux Ré à l'octave en case 7 sur la corde de Sol. Ça donne ça. Voilà. Donc, travaillez lentement. Bonsoir Armand, sois le bienvenu. Alors, du coup, le riff de base de la partie A, il est terminé. Je vous le joue en entier. Hop. Allez, je remets le playback original. En fait, le tempo du bouquin, c'est 103, le tempo original. Là, j'ai un playback, l'original est à 103, et le playback que j'avais joué tout à l'heure, pas l'original, je l'avais mis à 100. Donc là, c'est parti, 103. Ainsi de suite. Alors, il faut jouer ce riff un petit paquet de boucles. On le joue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six, sept fois. Ensuite, la huitième va y avoir une petite variante. La huitième fois, on va donc jouer la première mesure comme on l'a joué jusque maintenant. Et ensuite, la deuxième, on va jouer à la place du Ré ici aigu sur le temps 4. On va jouer le Fa tierce mineur et le Fa dièse qui va être un chromatisme et qui va nous amener après sur le Sol de la partie B. Donc la mesure 2 de la huitième fois, ça fait ça. Et là, vous voyez la difficulté sur ce temps 4, c'est qu'on va jouer le Fa sur la deuxième double croche et le Fa dièse sur la troisième. Donc on ne va rien jouer sur la première double croche. Tout ceci pour vous dire que, vous voyez, ce morceau-là, c'est une excellente illustration du travail de double croche à un niveau avancé. Donc, vraiment, le rythme, bossez-le à fond, c'est vraiment la priorité. Quand vous êtes à l'aise avec la lecture rythmique, après, vous pouvez vous attaquer en fait à tous les styles de musique. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le rythme, j'avais fait un bouquin qui s'appelle « Le rythme à la basse ». Alors, du coup, je vais vous jouer cette huitième reprise. Hop, alors je remets mes batteries à moi, je vous le fais à 60. Ça, c'est la partie qui va nous permettre d'arriver sur le B. 1, 2, 3, 4. Voilà, encore une fois. 3, 4. Et arriver ensuite sur le pont. Le B qui va être cette fois-ci en Sol. Ça va être très simple. Pendant 1, 2, 3, pendant 8 mesures, les seules notes vont être... Ah non, à part, il y a une petite variante dans la mesure 4 de la partie B. On va être sur un Sol 9. Un Sol 9, c'est un accord composé de 5 notes. Le Sol, la fondamentale. Le Si, la tierce majeure. Le Ré, la quinte juste. Le Fa, la septième mineure. Et le La, qui est donc la neuvième. La neuvième majeure, c'est la même note que la seconde majeure. La seconde majeure se trouve un ton au-dessus de la fondamentale. Sol, fondamentale, plus un ton, ben j'arrive en La. La neuvième de La, la neuvième majeure de La, pour être plus précis, c'est la neuvième majeure de Sol, pardon,
c'est le La. Donc ça fait Sol, Si, Ré, Fa, La. Ça, c'est ce que joue le guitariste. Et nous, dessus, on va quasiment tout jouer avec le Sol aigu en case 5 sur la corde de Ré et le Sol grave sur la case 3 de la corde de Mi. Donc vous voyez, on joue que les fondamentales. Par contre, ça va être vraiment un placement rythmique assez costaud. Sur le premier temps, on viendra jouer les doubles croches 1, 2 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous mets la batterie et je vous joue que ce premier temps. Donc ça, c'est une figure encore qui n'est pas évidente. On joue le 1, 2, on joue rien sur le 3 et on joue le 4 ensuite. Je compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. S'il faut, je fais des doubles croches pour mettre dedans. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, deuxième temps, je vais jouer que les doubles croches 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'enchaîne les deux premiers temps. 3, 4. Voilà, là je les ai fait en boucle. Maintenant sur le temps 3, on va jouer les 3e et 4e double croche, mais sur le sol grave. Et ça va donner ça. Donc c'est aussi très important de bien respecter les silences. Je fais pas... Non, je fais vraiment... Et enfin, sur le quatrième temps, je vais jouer que la deuxième double croche. Donc là, pareil, c'est pas évident. On reste concentré, on compte. Là, je suis à 60, mais on réduit le tempo s'il faut. 2, 3, 4, je compte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et je vais jouer que le 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, toute la mesure. 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans la mesure 2, on va voir la même chose, sauf qu'après le temps 4, au lieu de le jouer sur le sol à l'octave, ici en 5, je vais jouer sur le sol grave en 3. Donc je vous joue les deux premières mesures de la partie B, ça donne ça. Pareil, je suis déconcentré. Donc, règle d'or, toujours, vous voyez, ça arrive. Oh, hello du Sénégal. Hello, hello. Vous voyez, il faut toujours bien rester concentré. Il suffit que la tête pense à autre chose et pouf, on est à côté. Et aussi pour vous montrer que, vous voyez, personne n'est à l'abri d'une boulette. Alors, une fois qu'on a ces deux premières mesures bien dans les doigts, la mesure 3, c'est la même que la première. Et la mesure 4, en fait, ça, le début va être le même que la deuxième. Simplement, sur le temps 4, on va jouer une petite variante. On va jouer les trois dernières doubles croches. On va jouer le Ré la quinte, le Fa la septième mineure, le Fa dièse, petit chromatisme qui nous ramènera donc vers le Sol. Ça, c'est vraiment un petit motif qu'il faut bien avoir dans les doigts. D'ailleurs, tout ce riff-là, c'est vraiment un classique pour ça.
pour vous donner des idées. Et du coup, je vais vous jouer la deuxième ligne. Donc ça va donner ça. Et cette fois-ci, je me concentre. 2, 3, 4 et... Maintenant, les quatre mesures. Voilà. Alors, hop. D'ailleurs, attendez voir, je me rends compte que je ne vous avais pas affiché. Oups, voilà, la page 2. Alors, du coup, je reviens, voilà. Donc, dans la partie B, là, on vient de faire les quatre premières mesures. Ensuite, les deux mesures suivantes, c'est les mêmes que les deux premières. Ensuite, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la septième mesure, bah, c'est la même qu'au début. Et enfin, il y aura un petit changement. Dans la huitième mesure, on ne jouera rien sur le temps 4. Il y a juste un soupir. Alors, la partie B, je vais vous la jouer cette fois-ci, donc 8 mesures un peu plus vite. Hein. Je viens au tempo de 100. 1, 2, 3, 4. Et ça reprend ensuite. En boucle. On va ensuite terminer ce riff avec deux mesures de Do 9. Alors, si vous vous souvenez, l'accord 9, c'est un accord de 5 notes composé... Hop, attendez voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai des pubs qui veulent s'afficher. Je vais ignorer. J'ai du mal configuré. Alors, du coup, un accord 9, c'est 5 notes. Fondamentale, tierce majeure, quinte juste, septième mineure, neuvième majeure. La neuvième majeure, c'est la même que la seconde majeure. En Do 9, ça va donner les notes suivantes. Ça va donner Do fondamental, Mi tierce majeure, Sol quinte, Si bémol septième mineur, et donc le Ré qui va être ma neuvième. Dans le morceau de James Brown... Ah, attends, c'est en Sol. J'ai oublié le nom, merde. Non, c'est en Ré, je crois. Oui, c'est ça. Et bien, à un moment, en fait, il fait un arpège de Ré 9 et il monte exactement ces notes-là. Il fait Ré, Fa dièse, La, Do et il finit par le Mi qui est la neuvième du Ré. Alors, Stéphane qui dit les boulettes, c'est à cause du batteur qui nous incite à jouer sur ces temps marqués, nous faire revenir dans une zone confortable. Exactement. C'est vrai qu'aussi, le batteur dans ce style-là, c'est quand même c'est des rythmiques assez chargées. Et en plus, la partie B, vous voyez, elle est difficile. Parce que même s'il ne joue pas beaucoup de notes, déjà d'une part c'est rapide, c'est très très sec. Vous voyez, il n'y a pas de notes longues, on n'est vraiment que sur des choses très au couteau en fait. Très très marquées, très hachées. Et effectivement, ces placements de double croche ne sont pas faciles. Donc vous voyez, il faut vraiment vraiment toujours rester concentré. Et imaginez-vous, hein, vous êtes bassiste, on vous embauche, il faut jouer ces mêmes choses sans bouger plusieurs minutes. Je peux vous assurer que... Ça peut paraître facile, mais ça n'allait pas du tout. La partie, la dernière, le Do 9, il fait deux mesures. Donc, je vous disais, c'est Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré. Et là, à la basse, il fait simplement le Do ici en 5, la fondamentale, piqué. Et ensuite, le Do grave, qui est lié sur le temps 2. Et après, une petite phrase. Il fait quinte ici sur le Sol, Si bémol, septième mineur, Do staccato, ça c'est le temps 3. Le temps 3 exactement où il joue les trois premières doubles croches. 1, 2, 3. Ensuite, sur le temps 4, il rejoue ce Do. Et ensuite, il va jouer sur les 3e et 4e doubles croches, le Sol, la quinte et le Si bémol, 7e mineur. Alors je fais juste
Une petite pause pour voir le commentaire. Il y a Sarah qui dit par où commencer la théorie musicale pour la basse? Je te réponds juste après. Alors, la dernière mesure ensuite, elle est particulière. C'est pas difficile, mais vous voyez qu'il y a un changement de mesure. Tout le morceau est en 4-4, 4 temps par mesure. Et là, on a une mesure en 2-4. Donc, 2 temps par mesure. C'est pas plus difficile qu'en faire 4, mais encore une fois, encore et toujours, il faut rester bien concentré parce que ça passe super vite. Et sur ces deux temps-là, il va donc rejouer le Do, première double croche. Il va faire cette fois-ci un glissé du Do vers le Ré, très rapide. Donc vous jouez le Do. Ensuite, vous rejouez le Do et vous glissez vers le Ré. Ensuite, troisième double croche, rien, et on va jouer le sol, la quinte, ici, sur la quatrième double croche. Et je vous joue le Do 9, je vous joue les 1, 2, 3, 4, les 5 premiers temps, en tout cas, de cette partie-là. Alors, on va revenir à 60. Deux, trois, quatre. Et ensuite, sur le temps 2 de cette mesure à deux temps, on va rien jouer sur la première double croche. Et ensuite, deuxième double, on va jouer le Ré à vide suivi du Fa sur la deuxième double croche. Et après, on reviendra sur le début du morceau, le riff en Ré mineur 7. Donc, je vous joue, en fait, toute cette partie-là de Do 9, elle fait 6 temps au total. Moi, je vous la joue avec une batterie à 8. Je vous joue les 6 et je fais 2 temps de pause. 1, 2, 3, 4. Et là encore, vous voyez, on est vraiment rien qu'à 60 sur un travail déjà assez difficile de mise en place. On a le Do staccato au début, ici le Do qui est long qui vaut un temps et demi, staccato, staccato. Faut placer cette appoggiature. On a ensuite un quart de soupir, un Sol, un quart de soupir et le Fa à la fin qui est long. Donc ça, je peux vous dire, voilà, là il y a du boulot. Donc, voilà, ça c'était le funk numéro 4 du bouquin Songbook Bass Funky. Alors, il est disponible au format livre, au format PDF, iPad. Il y a tout ce qu'il faut, Android aussi. Donc, c'était le morceau, donc, Soul Power de James Brown. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, laissez-moi un petit message en commentaire. Alors, Sarah, pour répondre rapidement à ta question, parce qu'effectivement, là, au niveau théorique, ça va, on était sur un niveau pas tellement compliqué puisqu'il n'y a que deux accords qui tournaient en boucle. Bon, après, voilà, il y a comme des notions de chromatisme, etc. C'était vraiment surtout un travail rythmique. D'ailleurs, le funk, en général, il n'y a pas besoin de connaître énormément de choses puisque ça tourne très souvent en boucle sur des accords mineurs, mineur 7, mineur 9 ou des accords 7 à la base puisqu'un accord de sol 9, c'est un accord de sol 7 à la base. Donc, les accords 7 et les accords mineur 7, pardon, et vous pouvez faire quasiment tout le funk. C'est vraiment le travail rythmique hein, qu'il faut. Donc, vous avez vu, je vous ai vraiment décortiqué ça. Il faut toujours compter, prendre le temps. Et donc, par où commencer la théorie? Eh bien, en fait, déjà, simplement, connaître tes notes sur le manche, ça, évidemment, c'est la base. Connaître les tons, les demi-tons, etc. Savoir qu'entre Do et Ré, il y a un ton. Si Do, il y a un demi-ton. Et puis, tu vois, petit à petit, déjà, bien, bien connaître ton manche. Ici, j'ai un Fa. Ici, j'ai un Mi. Ici, un Si. Là, j'ai un Si bémol, hop, ici, j'ai un La bémol. Donc, bien, bien connaître ton manche, c'est déjà une base de théorie, et puis ça te servira pour tout. Ensuite, t'attaquer aux triades, les triades majeures et mineures, parce que c'est les plus importantes, c'est celles avec lesquelles tu peux jouer tous les styles de musique, et c'est sur ces triades majeures et mineures que se construisent toute la musique. Donc, moi, je passerai des mois, des heures et des dizaines d'heures de travail à bosser que les triades. D'ailleurs, dans pas mal de lives, j'ai dû en parler.
Les triades, on les maîtrise en fait jamais assez. Finalement, on les maîtrise assez peu. On passe pas assez de temps. On va trop vite. Vous voyez les accords 7, mineur 7, tout ça, c'est des choses qu'on peut voir après. Mais les triades, tu peux tout faire avec et vraiment bien les explorer. Donc tu verras hein, sur mon site, j'ai fait vraiment tout ce qu'il faut pour bien apprendre Il y a un bouquin qui s'appelle les triades à la base. Il y a un bouquin qui s'appelle aussi les arpèges. Et rien qu'avec ça cumulé, tu auras déjà de quoi bosser un paquet de temps. Parce que les arpèges, en fait, ça prend beaucoup de temps, mine de rien, à les bosser. Et ça vaut le coup de les bosser de manière intensive. Voilà, parce que si vous apprenez qu'une formule, celle-ci pour la gamme majeure, par exemple, c'est très bien, c'est une base, mais très vite, vous allez tourner en boucle. Donc, explorez plutôt des choses basiques. David qui dit très intéressant, mais pointu au niveau de la mise en place. Absolument. Là, on est vraiment sur du niveau avancé. Alors, dans le bouquin, il y a tous les niveaux, hein. Ce n'est pas que du niveau avancé. Je vous mentirais si je vous disais que tout était accessible. Non, mais c'est un mélange. Dans les 25, je ne me souviens plus, mais il y en a évidemment des très difficiles comme celui-là. Il y en a des plus abordables. Mais en général, je dirais quand même, c'est du intermédiaire. Hein. Voilà, au moins. C'est vrai que là, pour les débutants, vous allez transpirer un petit peu. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est vraiment Georges qui nous dit coucou de la Seine-et-Marne. Hello. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le travail de la mise en place à tempo très lent. Il faut compter. Et puis aussi, surtout, voilà, il ne faut pas vous jeter sur la partition. Comme ça, je vous l'avais déjà dit aussi tout à l'heure. Il faut bien décortiquer et quitte à décortiquer chaque temps. Parce que le travail rythmique, ça, j'insiste encore, puisque un peu c'est le sujet du jour, ça fait tout, tout, tout. Très, très souvent, si on est bloqué, parce que c'est une chose de regarder, par exemple, vous voyez des partitions sur Internet. Mais si vous ne les comprenez pas, que vous faites à l'oreille, pourquoi pas, ça va marcher un temps. Mais à un moment, vous allez être freiné. Évidemment, il y a toujours des contre-exemples. Vous pourrez toujours dire, oui, mais ce musicien-là, il est super connu, et puis il ne connaît pas un gramme de théorie. C'est tout à fait vrai, il y en a. Mais sur les millions de musiciens, les gens très doués ou les génies de la musique, il y en a quand même pas tant que ça. Il y en a, mais c'est pas la majorité des gens. Donc, ne comptez pas forcément sur la chance au début, sur ouais, bon, ça passe, je mets le métronome, je suis à peu près en place et je me contente de ça. Si vous avez envie de bien avancer et que surtout que ça vous serve plus tard, prenez un temps, hop, et vous le bossez, vous comptez comme je vous ai fait tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis, hop. Vous essayez de jouer juste la double croche que vous devez jouer, ou vous tapez dans les mains si ça fait un peu trop de choses de jouer et compter en même temps. Donc, décomposer, en fait, temps après temps. Voilà, et Stéphane qui dit que donc, les arpèges sont bien plus ludiques que les gammes pour moi. Absolument. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui s'appelle Arrêter les gammes. Alors, il y en a qui étaient un peu scandalisés par ça, mais c'est parce qu'en fait, je pense, c'est des gens qui ont juste. Pardon. Qui ont juste commenté sans regarder la vidéo. Je bois un coup. Parce qu'à force de parler. Donc effectivement, c'était un titre un petit peu accrocheur ou polémique, mais en tout cas, c'était pour dire que c'est les arpèges qui sont le plus important. Vous voyez, dans ce qu'on joue ici, tout est basé sur des arpèges. Évidemment, il a fait un petit chromatisme en plus par endroit, mais tout est basé sur les arpèges. Donc pour moi. Utiliser les gammes, c'est beaucoup plus compliqué et c'est absolument pas utile en termes de mise en place et en termes d'utilité. Donc ça, je le confirme et je le redis absolument et je le pense à 200%. Les gammes sont utiles, oui, mais quand on débute, simplement déjà maîtriser les arpèges, c'est bien. Parce que maîtriser la gamme majeure ou la gamme mineure, bah écoutez, faites-le, mais si vous avez des connaissances harmoniques qui sont, on va dire, limité ou basique, vous allez vite un moment vous conforter à des difficultés. Si par exemple vous avez un accord qui ne rentre pas dans la gamme, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez peut-être tenter une gamme au pif et ça va sonner, pourquoi pas, par chance, et si ça sonne pas, vous ne saurez pas pourquoi. Donc cette approche du je fais mais je ne sais pas pourquoi je le fais, moi ça ne m'intéresse pas en fait. Voyez? Le but c'est de comprendre les choses. Et du coup, mettre en pratique des gammes, eh ben, franchement, c'est pas toujours évident et surtout ça sonne pas toujours. Il y a des intervalles qu'il faut savoir faire sonner. Donc moi je trouve que utiliser les gammes en pratique, ça demande de l'expérience, beaucoup d'expérience et
pas mal de connaissances quand même harmoniques pour bien les utiliser. Donc voilà, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je les modère en fait. Donc bossez bien vos arpèges au départ. Et vous allez voir, bah, comme tu dis Stéphane, tu dis que c'est ludique. Je suis d'accord effectivement, et c'est surtout beaucoup plus simple, et la mise en place est beaucoup plus réelle, plus rapide surtout. Voilà, et Adrien qui dit, tu as raison, la théorie est indispensable pour passer certains caps, sauf à être un génie. Ben oui, absolument, c'est ça, c'est-à-dire que les gens très doués qui font tout à l'oreille, oui, mais bon, voilà, on n'est pas tous un génie de la musique, donc quand même, aider à comprendre, je trouve que ça ouvre toutes les portes. Et surtout, ça vous permet de jouer les choses en toute connaissance de cause. Vous voyez, si vous connaissez bien votre théorie, ben vous savez que là, hop, là, il a mis une septième, là, il a mis une quinte, là, il a mis une tierce. Et après, quand vous jouez un morceau et que vous voyez ces choses-là, vous voyez, ah tiens, un accord mineur 7. Ah bah oui, tiens, un accord mineur 7, je sais, c'est une fondamentale, une tierce mineure, une quinte, une septième mineure. Et que vous connaissez vos notes sur le manche, après, les choses se mettent en place. Donc, évidemment, c'est plus long parce que si vous regardez juste des tablatures comme ça sur YouTube, vous pouvez vite avoir des choses sous les doigts. Mais encore une fois, c'est du plaisir à court terme puisque là, vous jouez, mais vous n'êtes pas forcément garanti d'être bien en place rythmiquement. Et puis surtout, vous jouez des notes sans savoir ce que vous jouez en fait. Donc le chemin de la connaissance est toujours plus long, évidemment. Mais par contre, il est beaucoup plus récompensant sur le long terme. Donc là, voilà, bossez vos arpèges mineurs 7. L'accord 9, hop, pour nous, à la basse, faut savoir que c'est un accord 7 et il y a une neuvième qui a rajouté. La neuvième, c'est la même que la seconde majeure. Vous pouvez simplement le penser comme un sol 7 aussi. C'est très, très bien. Et que dire d'autre? Bah, écoutez, bossez votre rythme à fond. Mettez votre métronome ou une batterie très lente, 50, 45, comptez. Vous pressez pas. N'oubliez pas que ça prend quand même des mois. Et puis, en plus, s'enchaîner toutes ces figures de croche sans faire une boulette, hein, du coup, ben voilà, vous aurez de quoi vous occuper plus que l'hiver, hein, du coup. Alors, Boone qui nous dit « Hello », ben écoute, bonsoir, là, tu tombes pile à la fin du live, donc du coup, ce sera maintenant du replay. Alors, j'espère que ce live ben, vous a plu, c'était un plaisir pour moi que de vous retrouver, hein, pour ce premier live de l'année. Je vous souhaite encore à tous une excellente année. Je vous souhaite de faire beaucoup de progrès au niveau du rythme, notamment. Donc, un bon métronome et on bosse ça le plus régulièrement possible. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était tiré du bouquin Songbook Bass Funky, disponible sur le site bassbruno.com. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à vous de vous être connectés. Merci pour votre présence, pour votre participation. Et puis, on se donne rendez-vous au mois prochain pour le live numéro 8, du coup, le thème. Je vous l'annoncerai très bientôt. Et voilà, bah écoutez, c'était un plaisir. Passez une bonne fin de soirée. Et puis, au mois prochain. Et puis, évidemment, entre, il y aura d'autres vidéos, les cours gratuits, etc. Rendez-vous vendredi sur YouTube. Bah écoutez, bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.